Salut tout le monde, alors aujourd'hui ce sera le petit unboxing de la Blissim qui est comme ceci. Premier regard. On a une jolie petite carte I Love Me de Agatha Sorley. Love Yourself. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est la même illustratrice, ouais, c'est ça, qui a fait la boîte. Alors, on commence par un échantillon de label Le Parfum de chez Jean-Paul Gaultier. Je dois avouer qu'il sent super bon, il est très sucré, donc si vous aimez les parfums sucrés, celui-là vous allez kiffer. J'aime beaucoup, beaucoup. Des patchs pour les dessous des yeux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de produits, hein. Donc d'un côté, tant mieux. Anti-cerne, énergisant. Ah bah de toute façon, c'est marqué. Masque anti-ride. Ah non, wrinkle. C'est ride. Je croyais que c'était le cerne. Bref, voilà. Alors ça, c'est de Algologie. On a un produit encore pour les dessous des yeux. Un gel rafraîchissant. Après, je pense que c'est dans le même esprit qu'enlever les cernes, les rides, etc., etc. De Mike Clarence et Recharge. Et ça, c'est le masque pour la nuit. Et il me semble que j'avais utilisé un tout petit échantillon de ça et que j'avais bien aimé. Donc ça, c'est cool. Pour les recharges, j'ai essayé pas le démaquillant, mais la crème de nuit, la crème de jour et le nettoyant. Et franchement, c'était bien, j'aimais bien. Alors, deux disques démaquillants réutilisables. Hop, comme ça. Ils sont vraiment de la taille des démaquillants, des petits cotons normaux, hein. Ils sont vraiment trop doux. Je pense qu'ils vont être géniaux, franchement. Je vais d'abord les passer un coup à la machine avant de les utiliser. Et en dernier, ben, c'est le produit phare, on va dire, de cette box. De la marque Fenty Beauty, donc de la marque de Rihanna. Et on pouvait choisir la teinte, donc... Dark Auburn. Moi, je ne savais pas si je devais prendre Auburn ou Blonde. Alors, il se présente comme ça. Il y a deux bouts. Ah, trop chou! Il y a une toute petite brosse. Ça, c'est marrant. Et du coup, de l'autre côté, on a celui-ci. Ah là là. L'air vachement foncé. Alors par contre, je vous jure, je suis au maximum. Il n'y a que ça comme produit dedans. C'est une blague. Ouais, j'ai vu 0,07 grammes. Enfin bref. Et je pense pas que ce soit si foncé que ça. Faut vraiment travailler. Parce que si on fait des tout petits traits fins, ça passe. Et après, comme j'ai fait sur la gauche... Et plus on en met, et plus on grossit, ben forcément plus c'est foncé. Bref, ouais, si en fait, je pense que ça va être bien. Mais bon. Je ne connais pas le prix. Et c'est indisponible, donc je pense qu'il faut aller sur une autre plateforme pour regarder le prix, combien ça coûte. Enfin bref, du coup, moi je suis contente pour la couleur, ça a l'air d'être bien. Sur ce, j'aime beaucoup cette nouvelle box parce que je connais ce parfum, j'aime beaucoup ce produit. Pareil, ça à tester, mais je pense qu'il va être cool. J'adore les dessous des yeux et ça, c'est topissime. Et celui-ci, ben, juste celui-là à voir, mais je suis contente. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!